Est-ce que ça va, le bel mec qui s'est pris un couteau en pleine en plein dans la nuque? Est-ce que ça va? Boulet. Ah! Ce type. Oh putain, fallait qu'il remonte avec moi. La vache, fallait qu'il y en ait jusqu'en haut quoi. Ah oui, tu m'étonnes. Bon, là, je vais me faire. Meurs. Que personne ne voit. Et je peux pas sortir avec que je suis repéré. Non, sans doute que t'as trouvé la sortie. Et j'ai pas d'air. Ah si, j'ai aussi le son. Ouais, c'est merveilleux. Ah ben non, c'est vrai, parce qu'après tu y ressens, il faut aller dans la jungle. Ah, oui, bon, il y a encore pas mal de temps. Cache-toi et surtout ne fais pas de vagues. Pas de vagues? Voici la tire pour toi. Ce type-là, Wade, il paraît qu'il est du genre créatif pour faire parler les gens. Et tu sais comme moi que j'ai plein de choses à dire. Alors manne-toi. Birdie, reste calme. Calme? Mais je vais t'en foutre, moi, du calme. Ok, il est censé avoir oh. Tant que c'est pas le show, c'est pas nos affaires. Pas ce soir. Les nouvelles des autres. Quoi? Vous pouvez y faire aussi. Et vous pensez que c'est un meurtre? Non, je ne sais pas. Une grille a été pétée. Blablabla. Blablabla. Chinois. Je vous demande d'arrêter ça tout de suite. Ça ne fait pas rire. Il m'a vu. J'aime pas vous voir pureter comme ça. Excuse-moi, mec. C'est mon boulot. Alors là. Toi, je te sens bien. Oui, bah je parle pas beaucoup, c'est parce qu'en fait je suis à fond dans le jeu, c'est pour ça. Alors, est-ce que je monte ou est-ce que j'ai ça? Telle est la question. Bon, on va passer par là, parce que c'est pas mal de temps que j'ai pas du tout joué, donc... C'est tout mignon. Qu'est-ce que j'ai dans les mains? Le couteau, non. Merci du conseil, mais j'ai jamais eu l'intention de... Je sais plus quel truc il faut. Oh, le truc qui m'a fait ce con. Salut. Vous auriez pas vu un homme grand et il me tait. Trop de soin. Je sais plus du tout à quoi sert le gaz, je crois que c'est pour enfumer la selle. Oh, cache-toi, cache-toi!
Ah, c'est pas comme ça, t'es un fou. Mes frères et sœurs. Je vois rien. Tu cherches pas au bon endroit, c'est tout. Eh, je suis pas idiot. Si je cherchais au bon endroit, on aurait déjà fini. N'empêche que je trouve que dalle. Alors. Quelque chose. Tu vas arrêter de parler comme ça. D'homme qui a une preuve en plus par là. C'est ma voix. Et j'y peux rien. Est-ce que c'est bon, ils en ont rien à foutre. Je pensais que j'allais. Mais il y a une preuve ici, il me semble. Bonne journée, monsieur. Merci, et toi aussi. C'est bon, à l'aise, man. On est à 34 minutes et demie. C'est déjà un paquet de trucs. Oh merde, ils sont là. Trois types de Wade, ils sont là. Et ils posent des questions. Ils vont me voir, c'est sûr, ils vont me repérer. Il faut que tu me sortes de là, mec. Il le faut, je t'en prie. C'est dans ton intérêt. Birdie, concentre-toi. Reste calme. Ne fais rien d'idiot, je m'en occupe. Donc, encore une autre partie de la map. C'est-à-dire, c'est une belle grosse mission quand même, hein, parce que... Je me suis pas trop fait choper et tout, et on est déjà à 35 minutes. C'est merveilleux. Oh putain. Oh le con. J'étais en train de le coller au cul. Je suis la merde, je sais, je peux les tuer. Bah oui, tu m'étonnes. Donc on va commencer par... lui... c'est lui qui est passé. Lui là-bas, je suis pas grave. Oui. Lui parce qu'il a pas beaucoup de cheveux. Ouais. Lui, je suis pas du tout raciste. Ouais. Oh, est-ce que j'ai une arme? Oui, j'ai une bouteille. Allez, c'est bien. Oh, il est belle, il est... par contre. Ah, ça tombe bien, c'est plus dur à tuer. Oh là là, il va se péter dans deux secondes. La fête est finie. Ok. Ouais, je suis peut-être totalement là, ils vont tous me défoncer. Oui, ouais, c'est ce que je pensais, mais il n'y avait pas de... Pas de flic, s'il te plaît. Je vais récupérer ton arme, quand même. Voilà, j'aime bien avoir deux guns. Je passe comme ça. Bon, suivant. J'ai laissé trois cadavres, personne personne n'en rêve. Ah, c'est lui. Ouais, aucun signe de Birdie pour le moment. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est le réveillon ici. Ouais, je te rappelle. Ouais, on a du studio de danse, en bas des escaliers. Voilà. Oui. Donc on va continuer à le suivre.
Si c'est celui que je crois, il va aller chercher un marchand, et puis il va la mettre dans une ruelle sombre, et puis il va lui faire des choses. Des choses pas très catholiques. Si vous voyez ce que je veux dire. Have you seen? Oh! C'est un canard! Ils ont encore fait une... un truc avec les canards. Tu viens faire là toi? Voilà, boost. Je connais pas moi. Un truc de flic. Oh! Oh là là, on aurait pas pu rêver mieux. C'est moi qui ai appelé. Vous avez le fichier de Birdie? On peut dire ça. La doublette en mode castor chimpunk dossier de Birdie. Oh non, écoutons. Explosif à distance. Oh, ça me tue ça, il y a plein d'armes et tout. Et moi je préfère quand même les silencieux. Rentrer dans la poubelle. Oh oui, ça a toujours été mon rêve de rentrer dans une poubelle déguisée en un castor. Non, ma queue. Oh. Non, il n'y avait aucune allusion sexuelle. Au moins, oh. Merde. Je peux balader avec les gueules, je crois. Donc l'autre doit être en train de... Parle. Non, si je te dis Birdie, qu'est-ce que ça t'évoque? Vous voulez du poulet grillé? Mauvaise réponse. Ok, connard, dernière chance. Où se cache le type qui se fait appeler Birdie? Et son copain chauve, hein? Allez, fais pas ton timide, parle. Je suis pas un chauve, d'accord? J'ai des problèmes de cheveux, ok? Pitié, j'ai jamais entendu parler de ce Birdie. Oh merde. Bon, je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4. Aïe, merde. J'ai attendu au Vixen Club. Salut. Je m'excuse, hein, j'ai pas été très discret, mais voilà quoi, je suis un castor. Oh non, non, tu m'as pas vu. J'ai la cible en visuel. C'est parti. Écoutez. Ah, t'as vu. Passe un coup. Il a tiré. Ça en fout. Ah, je vais me faire défoncer. Oh mon dieu, faites que je puisse prendre la porte. Prends la porte. Non, prends la porte, je te dis. Qui est ici. Salut. Voilà, c'est le gueule. Ça chauffe ici. On fouille le secteur. Ça chauffe. Tu te rapproches. Et voilà, on a enfin fini la mission. Avec le cowboy, ce type a pas l'air comme je te le dis. Je crois qu'ils allaient vers le centre. Désolé.
47. J'ai plein de choix, mon pote. Dites-moi, monsieur Wade, vous préférez quoi ? Trouver la fille ou gâcher une balle ? L'heure tourne. Et voilà, j'ai débloqué le lancer 3, le lancer 3 comme on dirait en version English. Donc, oh, j'ai été spécialiste au lieu de vétéran quand même. Voilà. Oh, j'ai eu la mascotte des curieux, ok. Videur du Vixen Club. J'aurais dû l'avoir, mais bon, tant pis. Deux Silverdies, etc. Donc, voilà. On se retrouve à la fin de cet épisode qui a duré quand même déjà pas mal de temps. 44 minutes quand même déjà pour être précis, il est déjà minuit 50. Donc je vous dis bonne nuit les gens. Parce que moi là je vais aller me pioter je crois. Donc si vous avez aimé la vidéo, ben, je vous invite comme d'habitude à aller mettre un petit pouce vers le haut. Si vous souhaitez continuer à voir mes aventures, etc., abonnez-vous. Puis si jamais... vous avez envie de faire partager mon talent et tout, mon génie et tout. Non, je déconne bien sûr. Mais vous pouvez toujours partager la vidéo. Ça me ferait plaisir. Et puis ça me ferait un peu de pub, ça serait sympathique quoi. Et ben, je vous dis à la prochaine pour la mission numéro 5. Allez, ciao les gens, bonne nuit. Bye, peace. Et un petit oh yeah.